Ici, c'est chez les Daga, une famille installée à Rwebo Centre dans la commune de Tofo. Ce dimanche, en fin d'après-midi, la famille a de la visite. Un très jeune collègue au chef de la famille Daga est venu voir son aîné professionnel pour des moments de confidence. Le patriarche Daga ne sort plus de chez lui. De plus en plus casanier, contraint par l'âge et l'ennui d'après le temps de travail. Nonagénaire et fatigué, Charles Daga, le chef de la famille, vit ses moments de retraite. Ce fut un grand cheminot qui a servi l'organisation commune des chemins de fer entre le Niger et le Bénin actuel, alors Dahomey. 1972, Travailler à l'OCDN alors était une grosse opportunité. Il y avait un salaire et des conditions sociales qui faisait avoir un prestige dans son environnement. Ceci avait ses avantages et ses revers. Fimi de Renoyo, et moi, un pipa, bon, on l'a pas, les hoyo,
Charles Daga se souvient avec force détail de ses nombreux moments d'effervescence. C'était toute une ferveur sur les gares routières, raconte celui qui est devenu par la suite conducteur de train. C'est d'ailleurs avec beaucoup de plaisir et au nom de ses beaux souvenirs qu'il accepte de réunir ce qu'il lui reste de force physique pour aller nous faire découvrir la gare ferroviaire de Webou. À la gare, les vestiges de ce qui aura été les moments de gloire du train au Bénin. Au grand bruit de l'arrivée du train d'alors, a succédé maintenant le silence des ruines et de l'abandon. Chef de gare, mais le côté mais le chef de gare, il va pas dire la grabe, il va pas dire un chorébi. Mais il n'est pas dans le mais aiguille, mais il n'est pas aiguille, mais il est aiguille là-ci. Et donc il y a un autre bureau tout à bout du ticket ça, mon docteur a dit ouais, et nous sommes aiguille toi, mon diable aiguille n'est pas bon, le crazy, mais il a quoi à faire. Ouais,
Et oh, oh, chef de gare, du nom de et faux aussi. Garde la con, il y a croisement des trains. On l'a dit, on a pris des filles. Et on a couté en oué. Et on a été pris des filles. Et on a été pris des filles. Et on a été pris des filles. Donc, on a été pris des filles. 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 On a été Nous ado duanu via izen bena bi ohume samna fanpo ado duanu asiropo bena bi ohume agba sa 20 kilo enane we edo ado wo mo ne agade ko enu we hun alo do eto mi yo e son bo mo fifo bo fin do ti fun egbe lo jomi keka ti onu yiri teja. Quand vous clouez, vous doublez, En dépit de ce combat interne à l'organisation, le train sifflait toujours, même si au fil des années, son influence sur la vie socio-économique des localités traversées a commencé par baisser jusqu'à la crise des années 2008 à 2010 où le train a définitivement arrêté de voyager. Bon, à Hosu de la Timbro, on a dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que c'est en 1904 que le train a sifflé pour la première fois à Rouebo, selon le vieil homme, plein de nostalgie. L'engin aura insufflé à la localité qui l'a rendu célèbre, une dynamique économique qui a ralenti depuis que le train ne passe plus. Déjà une décennie, on n'a plus entendu par ici ces sifflements répétés au quotidien et le prochain ne semble pas pour bientôt.